directement du tas de compost. Du compost hein, que j'ai commencé l'année passée, il y a 12 mois maintenant. Il n'est même pas tamisé, il est mis comme ça, pur. Je tasse un peu. J'ajoute un petit peu d'engrais très fin. Comme ça. Mélange un peu. Des graines d'haricots Pongo. Je vais en mettre quand même tous les 2 cm, j'en mettre une. Et je vais faire 3 rangées. J'en ai semé 135 sur 2 mètres linéaires. Je vais recouvrir d'une couche de compost d'un centimètre. Tasser légèrement. Un bon arrosage. Je le fais en position debout, à côté de mon compost, donc juste à côté, la fastoche. Là, ils sont posés sur deux palettes. Je vais les laisser comme ça, et il fait beau maintenant, ça y est, on est le 26 avril. Et dans 4-5 jours, on devrait avoir les premières levées. Un sillon, une 15aine de centimètre de profondeur. J'y mets une couche d'engrais. Des engrais biologiques. Il y a un petit peu de cendre de bois. Les haricots sont gourmands en potassium. J'arrose bien ma gouttière pour que ça épluche plus facilement. Et maintenant, je fais glisser les haricots. En secouant la gouttière. Le démarrage est un peu laborieux. Une fois que c'est parti,
Salut. Et voilà. Il ne reste plus qu'à rabattre à terre. Pour les haricots. Un petit peu. Ouais, c'est facile. Et mon dos, il est content parce que j'ai pas à me baisser et puis à planter les graines ou les plants les genoux dans le sol. Voilà.